don. Yahweh a reçu, il a reçu le don. Mettre un genou, la provision qui est ciel, tu vas demander pardon à l'Éternel de ce que tu l'as offensé, de ce que tu l'as irrité, de ce que tu l'as blessé, de ce que tu l'as attristé. C'est pourquoi en ce moment, tu vas te libérer, tu vas déchirer ton cœur, tu vas déchirer ton cœur devant la face de l'Éternel. Tu vas déchirer ton cœur devant la présence de l'Éternel. Tu vas déchirer ton cœur devant le trône de l'Éternel. Tu vas déchirer ton cœur devant la présence du Dieu vivant. C'est pourquoi ce soir, tu vas te relâcher devant l'Éternel. Tu vas lui exposer ta vie. Tu vas lui exposer tes problèmes. Tu vas lui demander pardon de ce que tu as péché, de ce que tu as convoité, de ce que tu as souillé ton esprit, de ce que tu as souillé tes pensées, de ce que tu as convoité, de ce que tu as été dans la corruption, de ce que tu as été dans la fraude, de ce que tu as été dans le mensonge, de ce que tu as été dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans l'hypocrisie. Lui élève la voix et commence à te repentir. Commence à déchirer ton cœur. Commence à supplier l'Éternel. Commence, lui, à déchirer ton cœur, à te repentir. Pour un pécheur, de lever la foi vers l'Éternel, de prier l'Éternel. C'est quoi tu vas me dire? Tu vas te souvenir de ce que tu as fait, de ce que tu as offensé ton prochain, de ce que tu as blessé ton prochain. Quand tu le propos, à travers ton comportement, même à travers ton regard. Tu vas nous demander pardon de ce que tu as été grossi dans tes propos, de ce que tu as choqué ton projet. Oh, que vous parlez de Péden, de ce que lui, regarde, tu as été dans la publicité, dans la masturbation, dans la pornographie, de ce que tu as souillé tes yeux. Est-ce que tu as convoité? Est-ce que tu as
femme, tu as fui ton esprit. De ce que tu as menti. Pardonne-moi les péchés. Au lieu de moi, je pardonne le dernier. Pardonne-moi. De ce que tu as gardé le cul. Pardonne-moi. Tu as gardé le cul dans le temple de Dieu, c'est ton corps. Tu as gardé le cul. Tu as de la haine pour ton frère en Christ. De la haine pour ta soeur en Christ. De la haine pour ton ami. De la haine pour ton péché. Tu vas réclamer le sang de Jésus, car la Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole des témoignages. Et la Bible déclare encore l'Hébreu 9:22 que sans le sang de Jésus-Christ, sans le fils du sang de Jésus, il n'y a point de pardon. C'est pourquoi regarde, tu vas encore réclamer le sang de Jésus pour purifier tes yeux, purifier ta bouche, purifier tes oreilles, purifier tes pensées, purifier ton cœur. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de l'agneau pour te purifier. Réclame le sang de l'agneau. Regarde, pour effacer cette abomination qui plane sur ta vie. Oh, bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Même si tu peux le boire, bois-le. Bois-le, bien-aimé. Bois-le, bien-aimé. Bois-le. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de Jésus. Sanctifie-moi. Ton âme. Seigneur, je réclame ton sang sur ma vie, éternels amis, éternels, je purifie, Seigneur, ma bouche, qui a dit des insanités, des mauvaises choses, papa, éternels, je trempe également mes yeux, papa, éternels, mes yeux deviennent purs par ton sang, papa, éternels, mes yeux pour convoiter, mes yeux, papa, libres, pour te souiller, je les trempe par ton sang, papa. À l'instant, papa, je suis devenu pur. Éternel, mes pensées deviennent pures. Éternel. Mes oreilles deviennent pures. Mon cœur devient pur. Mon âme devient pure. Mon esprit devient pur. Mon corps devient pur, papa. Éternel, je me coupe de ton sang, papa. Purifie-moi.
De Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer par des Jésus? Avec qui de joie? Amen. Bien-aimé, il nous reste quelques 4 minutes pour pouvoir passer à l'enseignement. Et ces quelques 4 minutes, nous allons rapidement encore adorer le Seigneur. Nous allons disposer nos cœurs, disposer notre entendement, disposer notre esprit à recevoir le Seigneur, à faire descendre le Seigneur. C'est par rapport à ton adoration que le Seigneur va descendre. Et on a l'habitude de le voir en passant pendant le culte. Lorsqu'on adore, lorsqu'on ouvre nos cœurs, le Seigneur Jésus dit, je suis descendu parce que vous m'avez appelé. Et la Bible déclare que le Seigneur siège dans l'adoration de son peuple. C'est pourquoi, en ce court moment, tu vas disposer ton cœur. Et le groupe musical va donner ce cantique. J'aime ça. Yeshua, wow. Yeshua. Yeshua,
Seigneur Jésus, je déclare au nom
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix de ce lieu. Que la paix de ce lieu. Élève l'écho. Élève l'écho. Afin que ta gloire. Afin que ta gloire. Afin que ta parole. Afin que ta parole. Afin que ta gloire. Afin que ta gloire. Afin que ta parole. Afin que ta parole. Demeure ce lieu. Demeure ce lieu. Demeure dans ma vie. Demeure dans ma vie. Demeure dans mon cœur. Demeure dans mon cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix de mes pensées. Que la paix de mes pensées. Que la paix de mon cœur. Que la paix de mon cœur. Que la paix de mon âme. Que la paix de mon âme. Que la paix de mon esprit. Que la paix de mon esprit. Élève le taux. Élève le taux. Afin que la gloire de Dieu. Afin que la gloire de Dieu. Afin que la parole de Dieu. Afin que la parole de Dieu. Afin que l'Éternel. Afin que l'Éternel. Fasse son entrée. Fasse son entrée. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Je vais mettre quelque chose de plus en plus. Je peux déjà t'asseoir en place par la grâce de Dieu. Que le Seigneur l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois béni, sois fortifié. Amen. Amen. Toi qui es dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui as répondu présent à l'appel de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel te fortifie. Amen. Que sa grâce soit sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fait grâce encore de pouvoir écouter sa parole. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi j'aimerais qu'on me lise une écriture dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 1er. J'aimerais que nous prenions tous notre Bible. Philippiens, chapitre 3, le verset 1er. Philippiens chapitre 3, premier. Au reste, frère. Attends, si tout le monde est là-bas. Philippiens chapitre 3, verset premier. Le verset premier, c'est-à-dire le verset 1. Si nous sommes tous là-bas, nous allons lire l'écriture. Philippiens chapitre 3, verset 1. Philippiens chapitre 3, verset 1. Au reste, frère. La Bible nous dit au reste, frère. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Je ne me lasse point de vous écrire. Alors l'apôtre Paul va nous dire. Je ne me lasse point de vous écrire. Oui. Les mêmes choses. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous. Je ne me lasse point de vous répéter les mêmes choses. Et pour vous. Je ne me lasse point de vous dire les mêmes choses. Et pour vous. Parce que pour vous. Cela est salutaire. C'est un salut pour vous. La répétition est un salut pour nous. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir je vais exhorter le peuple de Dieu. Ce soir, nous allons exhorter par la grâce de Dieu sur un passage, gloire à Jésus, amen, le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 1. Proverbes chapitre 10, le verset 1. Proverbes chapitre 10, verset 1. Proverbes chapitre 10, le verset 1. Je lis. Oui. Un fils sage. Le bien-aimé proverbe est en train de nous faire savoir. Il dit un fils sage. Fait la joie d'un père. Un fils sage fait la joie d'un père. Et un fils insensé. Et un fils est insensé. Le chagrin de sa mère. Bien-aimé, qui a compris l'écriture? Réponds, homme de Dieu.
un fils sage. Le bien-aimé proverbe nous dit, un fils sage fait la joie d'un père. Il fait la joie d'un père. Un fils insensé. Un fils est insensé. Le chagrin de sa mère. Point. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, l'écriture que nous avons lue. On dit, un fils sage fait la joie d'un père. Et le fils insensé, il fait le chagrin d'une mère. Donc, si nous voulons scinder l'écriture, nous allons scinder l'écriture en deux parties. Première partie, un fils sage, il fait la joie d'un père. Et un fils insensé fait le chagrin d'une mère. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé, cette écriture-là, de Proverbe chapitre 10, le verset 1, nous devons expliquer ça. Le fils sage qui fait la joie d'un père, c'est qui? Le fils insensé qui fait le chagrin d'une mère, c'est qui? Mais nous avons oublié quelque chose. Remonte. Remonte au passage. Bien lu le passage. Proverbe de Salomon. L'écriture commence pour dire. C'est-à-dire, l'écriture ne vient pas directement dire. Un fils sage fait la joie d'un père. Mais lorsqu'on remonte en haut, l'écriture nous dit proverbe de Salomon. Non, faut répéter avec moi. L'écriture nous dit quoi? Proverbe de Salomon. Il dit proverbe de Salomon. Et puis quand il finit de dire proverbe de Salomon, il pousse maintenant pour dire un fils sage fait la joie d'un père. Et le fils insensé, le chagrin d'une mère. Mais regardez le proverbe là. Et regardez comment c'est écrit. C'est écrit comment? Il y a quoi à la fin du proverbe là? Un S à la fin, non? Donc on comprend que il y a plusieurs proverbes, mais il y a un. Il y a un seul qui? Il y a un seul qui? Il y a un seul salaud. Proverbe de Salomon. Donc on comprend qu'il y a plusieurs proverbes, mais il y a un seul Salomon. Gloire à Jésus. Mais quand nous retournons dans le livre de Matthieu, nous allons voir le frère Matthieu. Quand nous appelons Matthieu au culte, dans Matthieu chapitre 12, le verset 24, qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu 12, le verset 24? Matthieu chapitre 12, verset 24. L'écriture nous dit quoi? Les pharisiens ayant entendu cela. Alors la Bible dit, les pharisiens ayant entendu cela. Dire. Les pharisiens vont dire. Cet homme. Ne chasse pas les démons que par Belzébul. Oui. Cet homme. Ne chasse les démons que par Belzébul. Ne chasse les démons que par Belzébul. Prince des démons. Matthieu 12, 24. Tout à fait, Matthieu. 12, 42, s'il te plaît. Matthieu 12, 42. Matthieu chapitre 12, 42. Matthieu 12, 42. La reine du midi se lèvera. Il dit que la reine du midi se lèvera. Au jour du jugement. Avec cette génération. Et la condamnera. Parce qu'elle veut des extrémités de la terre. Oui. Pour entendre la sagesse de Salomon. Donc, pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici. Donc, il dit, et voici. Il y a ici plus que Salomon. Donc, Jésus est en train de nous dire que là, il y a plus que Salomon. Donc, Jésus est en train de dire que c'est lui en réalité le véritable. Faut parler bien. Il est en train de nous dire que c'est lui le véritable. Salomon. Donc, quand l'écriture commence pour dire proverbe de Salomon, en réalité, l'écriture est en train de nous faire savoir parce que les proverbes de Salomon, c'est en réalité les paraboles de Jésus. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Je sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Donc, les proverbes de Salomon, en réalité, c'est ça les paraboles de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, quand nous retournons dans l'écriture, la Bible nous dit ceci.
que lorsque Jésus il est avec ses disciples, la Bible nous dit les paraboles qu'il donnait au dehors, les paraboles qu'il annonçait au monde ou encore à la foule. La Bible dit que lorsqu'il avait ses disciples en aparté, il explique les paraboles. Gloire à Jésus. Il explique les paraboles qu'il donnait dehors. En particulier, il explique ça. Mais cette pensée de l'Écriture nous ramène dans le livre de Un Roi. Nous voyons la reine de Séba. La reine de Séba qui quitte son endroit pour venir écouter les paraboles de Salomon. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc quand l'Écriture dit dans Proverbe 10, le verset 1, Proverbe de Salomon, c'est en réalité les paraboles de Jésus. Qui a compris cette première partie? Amen. J'espère que tu as compris cette première partie. Parce que je devais t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Relis l'Écriture. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Au verset premier. Au verset premier. Un fils sage. Un fils sage. Fait la joie d'un père. Fait la joie d'un père. Et un fils insensé. Un fils insensé. Le chagrin de sa mère. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons laisser l'Écriture ou encore la parole de Dieu nous expliquer le fils sage qui fait la joie d'un père. Gloire à Jésus. Amen. Mais avant d'aller plus loin, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la sagesse en réalité. Quand on dit quelqu'un est sage, quand on dit l'enfant là il est sage, ou on dit quand il est sage, ça veut dire quoi? Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement quand on a les cheveux blancs qu'on est sage. Parce que quand on lit Proverbe chapitre 9, le verset 10, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'il a dit? Le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. Donc la sagesse est définie comme la crainte de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Donc la sagesse est définie comme la crainte de l'Éternel. Une personne qui craint Dieu. Une personne qui a l'amour de Dieu en lui. Une personne qui marche dans la voie de Dieu. Alors l'Écriture nous dit qu'il est sage. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons que dans la révélation de cette Écriture, le fils sage qui a fait la joie d'un père. Le fils sage qui a fait la joie d'un père. Nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a quitté sa position céleste. Amen. Qui a quitté son trône. Qui a laissé sa gloire. Et qui est venu en forme de fils pour venir accomplir l'œuvre de la croix. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous pouvons le voir dans Philippiens chapitre 2, le verset 10. Le fils sage qui a fait la joie d'un père, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a laissé son trône, qui a laissé sa position céleste et qui est venu en forme de fils pour venir accomplir l'œuvre de la croix. Qui est venu mourir pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, il est venu en forme de fils. Gloire à Jésus. Lis-moi l'Écriture. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 8. Puis, il a dit quoi? Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort.
se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Si Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Point. Matthieu 5, 17. Donc vous voyez un peu. Christ a quitté sa position A. Qui est venu en forme de fils. Qui est venu mourir sur la croix. Pour nous donner le salut. Gloire à Jésus. Amen. C'est lui le fils sage de la révélation qui a fait la joie d'un père. Puis Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il ne croyait pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais je suis venu. Mais il est venu. Non pour abolir. Non pour abolir. Mais pour accomplir. Mais il est venu pour accomplir. Gloire à Jésus. Amen. Qui a compris? C'était la première partie. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Donc, on passe à la deuxième partie. Dis-moi la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il a dit? Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Verset premier. Le verset premier. Et un insensé. Un insensé. Le chagrin de sa mère. Dans la deuxième partie de l'écriture, la Bible nous dit un insensé fait le chagrin de sa mère. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la mère dont il est question ici, ce n'est pas dans le sens littéral. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Parce que la Bible même est un dictionnaire authentique qui doit nous donner la définition de la mère dont il est question ici. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, avant de comprendre ce fils insensé qui a fait le chagrin de sa mère, nous allons comprendre en réalité c'est qui la mère. Ésaïe chapitre 66. J'espère que tout le monde me suit. Verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? Définition de la mère, selon l'écriture. Ésaïe chapitre 66. Oui. 9e. Oui. Ouvrirai-je le sein maternel? Donc, l'écriture nous dit, ouvrirai-je le sein maternel? Pour ne pas laisser enfanter. Pour ne pas laisser enfanter. Dit l'Éternel. Qui a parlé ici? Bien aimé, il faut répondre. Qui a parlé ici? L'Éternel. C'est l'Éternel qui a parlé. Continue l'écriture. Moi. Il dit moi. Qui fait naître. Qui fait naître. Empêcherai-je d'enfanter? Empêcherai-je d'enfanter? Dit l'Éternel ton Dieu. Donc nous comprenons selon cette écriture que Dieu est considéré comme une mère. Et aussi une sage femme. Une sage femme. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça, non? Gloire à Jésus. Une sage femme. Donc, dans la révélation, nous disons que la véritable mère, c'est Dieu. La véritable mère, c'est Dieu qui a enfanté les choses visibles. Et les choses invisibles. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons Colossiens, la Bible dit les choses invisibles. Les choses visibles. Trône, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Gloire à Jésus. Amen. Qui comprend l'écriture? Donc, nous avons déjà saisi la raison sur la mer. C'est pas ça? C'est bon? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est pourquoi nous disons que le fils insensé qui a fait le chagrin de sa mère, c'est le bien-aimé Adam.
C'est Adam qui a transgressé, ou encore qui n'a pas écouté l'ordre, ou encore le commandement de notre Seigneur Jésus, Amen. Qui a péché contre Dieu. Parce que quand nous lisons le livre de Genèse, le Seigneur va faire le jardin, il va déposer Adam là-bas. Et Dieu va dire, le jour où tu vas manger ça là, tu vas mourir. Et Adam, par sa désobéissance, est allé contre la parole de Dieu. Il a fait le chagrin de sa mère. Il a fait le chagrin de Dieu. Mais quand nous ramenons cette écriture, quand nous prenons cette écriture dans la pensée doctrinale, quand nous ramenons cette écriture dans la vie de l'Église, quand nous ramenons cette écriture dans la vie des enfants de Dieu, nous pouvons dire ainsi que un fils sage qui fait la joie d'un père, c'est un fils, ou encore c'est nous les enfants de Dieu, qui marchons dans la sanctification. C'est nous les enfants de Dieu qui pratiquons la sanctification. C'est nous les enfants de Dieu qui marchons dans la saine doctrine. C'est nous les enfants de Dieu qui demeurons dans la saine doctrine. Parce que quand on vit dans la sanctification, quand on vit dans le dépouillement, quand on vit dans la sanctification, on attire les regards de Dieu vers nous. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'on prend le livre de 1 Samuel, la Bible déclare que David s'éleva un bon matin. Et puis David regarde par la fenêtre et il voit une femme qui est en train de se laver. Gloire à Jésus. Amen. Et cette femme, elle s'appelait Bathsheba. Donc, quand nous les enfants de Dieu, nous marchons dans la sainte doctrine, nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans le dépouillement, nous mettons la parole de Dieu en pratique, alors on attire les regards de Dieu vers nous. Parce que Dieu, c'est lui le véritable David. Gloire à Jésus. Amen. Donc, lorsque tu demeures dans la parole, lorsque tu te sanctifies, parce que l'eau, c'est la parole en réalité. Donc, lorsque tu pratiques la sanctification, tu attires les regards de Dieu. Tu attires les regards du véritable David vers toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, bien aimé, de quelle position? Parce que lorsque nous revenons encore dans la pensée de cette écriture, dans la deuxième partie, lorsque nous prenons cette écriture dans la pensée doctrinale encore, le fils est insensé qui fait le chagrin d'une mère. C'est toute personne qui n'aimait pas la sainte doctrine en partie. Oui. C'est toute personne qui n'aimait pas se laisser dépouiller. C'est toute personne qui n'aimait pas vivre dans la sanctification. C'est toute personne qui ne se laisse pas dépouiller, qui ne veut pas marcher dans la sainte doctrine. Mais j'aimerais poser la question ce soir. Des deux côtés. C'est de quel côté? Non, je pose une question. En toute franchise, c'est ça, non? C'est comme ça qu'on parle. En toute franchise, tu es de quel côté? Tu es du fils sage ou du fils insensé? Non, faut répondre bien. Du fils sage. Parce que le fils sage, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui qui est dépouillé. C'est celui dont le cœur n'est pas méchant. C'est celui qui ne garde pas rancune contre son frère. C'est celui qui ne garde pas rancune contre sa sœur. C'est celui dont on marche sur le pied et puis lui-même, il est capable de demander pardon. C'est celui qu'on a fait quelque chose qui ne garde pas ça dans son cœur. C'est ça, un fils sage. Est-ce que tu es un fils sage? Ou bien tu es un fils insensé? Parce que, bien aimé, si tu es un fils sage, tu fais la joie de Dieu. Mais si tu es un fils insensé, bien aimé, tu ne fais pas la joie de Dieu. Parce qu'une personne qui consomme de l'alcool, c'est un fils insensé.
il fait le chagrin de sa mère. Quelqu'un qui a encore la colère dans son cœur. Quelqu'un qui a encore la rancune dans son cœur. Quelqu'un qui a encore la méchanceté dans son cœur. Alors bien aimé, il fait le chagrin de Dieu. Il ne fait pas la joie de son père. Mais il fait le chagrin de Dieu. Parce que lorsque Dieu regarde ça, lorsque Dieu te voit, il a mal. Parce que tu ne fais pas sa joie. Mais tu vas le chagrin. De quelle position tu es? De quelle position tu es? Dans les deux. Tu es le fils sage ou tu es le fils insensé? Gloire à Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Et puis quelqu'un vous parle 1 Pierre 1, verset 14 à 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Oui. Ce que Dieu veut. Alors il dit ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Alors viens, mais ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut pour toi. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut pour toi, femme. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut pour toi, homme. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut pour toi, jeune fille. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut pour toi, jeune homme. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut pour toi, petit enfant. C'est votre sanctification. C'est que tu te sanctifies. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Alors bien aimé, il dit, ce que Dieu veut pour nous, comme étant des fils sages, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous nous sanctifions. C'est que nous nous abstenons de l'impudicité. Parce que bien aimé, l'impudicité ne voit pas ça. Non. Comment je peux appeler ça même? D'une seule manière. Mais l'impudicité aussi, c'est comme toi, bien-aimé de Dieu. C'est comme toi aussi, chrétien. Tu aimes quelqu'un d'autre. Tu aimes quelqu'un d'autre que Dieu. C'est-à-dire, bien-aimé, tu passes ton temps devant le téléphone. Ça, c'est aussi l'impudicité. C'est aussi la prostitution. Parce que tu ne passes pas ton temps dans la méditation. Mais tu passes surtout sur le téléphone. C'est aussi l'impudicité. Alors Dieu dit, ce qu'il veut pour nous chrétiens, ce qu'il veut pour nous chrétiens de la dernière heure, parce que bientôt nous passons au l'enlèvement. Mais il dit ce qu'il veut pour nous, c'est que nous aussi, on puisse vivre dans la sanctification. Les enfants se sont concernés. Toi, enfant, tu ne respectes pas tes parents à la maison. Dieu dit ce qu'il veut pour toi. La sanctification. C'est aussi dans la sanctification, il y a le respect des paroles. Gloire au Seigneur Jésus. L'impudicité aussi, c'est l'amour sexuel. Toi qui n'es pas marié, qui es un petit copain, une petite copine de la police, c'est aussi l'impudicité. Dieu n'aime pas ça. C'est l'impudicité. Tu dois aussi te répentir de cela. Alors il dit ce qu'il veut pour nous. C'est que toutes ces choses, nous nous abstenons de ça. Et que nous marchons aussi dans la sanctification. Et que nous marchons aussi dans le dépouillement. Et que nous marchons aussi dans la sainte doctrine. Bien-aimé, est-ce que tu es un fils sage? Ou encore, est-ce que tu es un fils insensé? Lui, 1 Pierre chapitre. 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset 14. Et puis quelqu'un, pourquoi pas Romains 6, verset 6. Comme des enfants obéissants. Alors il dit comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises. Alors bien-aimés de Dieu, comme des enfants sages, Dieu nous dit, ne vous conformez pas aux convoitises. Que vous aviez autrefois. Que autrefois, lorsqu'on était païen, lorsqu'on était dans le monde, ces choses étaient en nous.
Mais Dieu dit comme des enfants, comme des fils sages, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez abandonnées hier. Oui. Ne vous conformez pas aux convoitises. Il dit ne vous conformez pas aux convoitises. Que vous aviez autrefois. Quelle autrefois tu as laissé? Quand vous étiez dans l'ignorance. Quand tu étais dans l'ignorance. Mais maintenant là. Puisque celui qui vous a appelé. Puisque c'est Dieu qui nous a appelé. Est saint. Il est saint. Vous aussi. Donc, nous aussi, enfants de Dieu. Soyez saints. Nous devons être saints. Dans toute votre conduite. Et il dit quoi? Soyez saints dans quoi? Dans toute votre conduite. Soyez saints dans quoi? Dans toute votre conduite. Soyez saints dans quoi? Dans toute votre conduite. Est-ce qu'il a dit une partie? Est-ce qu'il a dit à moitié? Mais il dit soyez saints dans toute votre conduite. Il faut être saint dans toute ta conduite. On ne prend pas un pour laisser un. On n'est pas saint à l'église seulement. Même au travail, on est saint. Parce qu'il y a des personnes, c'est quand elles sont devant les bien-aimés, devant les frères, qu'elles sont saintes. Ou encore qu'elles sont à l'église, elles sont saintes. Mais à la maison, là, ton comportement est bizarre. À la maison, tu ne respectes pas papa. À la maison, tu n'as pas de la déférence pour les personnes âgées. Oh, l'écriture nous dit soyez saints dans tout votre corps. Mais est-ce que tu es saint dans toute ta conduite? Non, toi, il faut te regarder, toi, il faut t'examiner. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es saint dans toute ta conduite? Est-ce que lorsque Dieu te regarde, il peut dire ça, c'est un fils sage, ou encore c'est une fille sage qui fait la joie de son père? Est-ce que quand Dieu te regarde, ou encore Dieu va te regarder, il va dire ah, ma fille encore, ou encore mon fils fait ma joie? Est-ce que Dieu peut te dire ça? Il dit soyez saint dans toute votre conduite. Bien aimé, tu dois être saint. Saint dans toute ta conduite. Même au travail, même à la maison, même dans les coins des rues. C'est saint fils sage qui fait la joie d'un père. Et Dieu veut que tu fasses sa joie. Oui. Romains 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Et puis Romains 12, verset 1 à 2. Sachant que notre vieil homme. Donc il dit sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui. A été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Donc notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Oui. Afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors bien aimé, nous ne devons plus être esclaves du péché. Nous ne devons plus être dans le péché. Nous ne devons plus marcher dans le péché. Mais nous devons vivre une vie de sanctification. Mais nous devons être des fils et des filles sages qui font la joie de leur père. Selon qu'il est écrit dans Romains 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frère. Donc, Jésus va dire, je vous exhorte donc, frère. Par la compassion de Dieu. Et puis, il met compassion dedans. Il dit, par la compassion de Dieu. À offrir vos corps. C'est que notre corps. Comme un sacrifice vivant. Notre âme. Saint. Notre pensée. Agréable à Dieu. Notre vie. Ce qui sera de votre part. Doit être donné à Dieu. Un culte raisonnable. Mais est-ce que tu es un fils sage? Ou tu es un fils insensé? Ou tu es une fille insensée? Mais le fils insensé, c'est tout celui qui n'est même pas la parole de Dieu en pratique. C'est un fils insensé. C'est celui qui ne se laisse pas dépouiller. C'est celui qui ne se laisse pas dépouiller. C'est celle qui est encore dans Papatoya, calomnie, critique. C'est celui-là qui ne pardonne pas, c'est-à-dire son cœur est rempli. Matthieu 5, 24. C'est celle-là qui n'aime pas pardonner. C'est celui-là qui n'aime pas pardonner.
Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Puis Romains 12, 19. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Alors l'Écriture nous dit, si tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là tu te souviennes que ton frère. Et que bien aimé, tu te souviens que ton frère. A quelque chose contre toi. Il a quelque chose comme, contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel. Alors il faut poser ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il faut aller faire la réconciliation avec ton frère. Puis. Et puis il faut revenir. Reviens donc présenter ton offrande. Le fils insensé. C'est tout celui qui ne pardonne pas. C'est tout celui qui aime à se venger. C'est tout celui qui n'aime pas pardonner. C'est tout celui qui a la colère dans son cœur. Mais est-ce que tu es un fils insensé? Ou tu es un fils sage? Romains chapitre 12. Le verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Alors Dieu dit ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimé de Dieu. Mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Car il est écrit. Car il est écrit. À moi la vengeance. C'est la colère dont il faut laisser agir, ce n'est pas ta colère. Et à moi la rétribution des méchants. Il dit à moi la vengeance. Et à moi la rétribution. Dit l'Éternel de Dieu. Bien-aimé, de deux côtés, quelle est ta position? Est-ce que tu es le fils insensé qui fait le chagrin de Dieu? Ou encore tu es le fils sage qui fait la joie d'un père? Parce que le fils sage qui fait la joie d'un père, c'est tout celui qui marche dans la sanctification. C'est tout celui qui marche dans la sainte doctrine. C'est tout celui qui marche dans le dépouillement. C'est tout celui qui marche dans la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais t'exhorter ce soir à être un fils sage qui fait la joie d'un père, qui fait la joie de Dieu. Je vais t'exhorter, bien-aimé, à être une fille sage, un fils sage qui va faire la joie de Dieu. Parce que lorsque tu continues à te sanctifier, lorsque tu continues à marcher dans la parole de Dieu, lorsque tu continues à demeurer dans la doctrine de Christ, lorsque tu continues à demeurer dans la parole de Dieu, dans la doctrine de Christ, alors tu es un fils sage. Qui va faire la joie de Dieu. Quand Dieu te voit, il est quoi? Il dit, oh, ma fille, regardez Job. Regardez Job. Dieu avait tellement confiance dans Job, il dit, mais toi, le diable, il faut le frapper. Tu as le frapper, là, c'est que Job va jamais gagner. Parce que quand il voit Job, il sait qu'il y a. Job fait sa joie, mais est-ce que toi, bien aimé, tu fais la joie de Dieu? Est-ce que Dieu aussi peut compter sur toi? Lorsqu'il te voit, il dit, ah, ma fille, il peut compter sur ma fille là. Il peut compter sur mon fils là, en montant en descendant, compter sur elle. Elle compte sur lui. Est-ce que tu fais la joie de Dieu? Est-ce que tu fais la joie de Dieu? Est-ce que quand Dieu te regarde, il dit, ah, ma fille là, non, elle fait ma joie. Mon fils, il fait ma joie. Alors bien-aimé, je vais t'exhorter à faire la joie de Dieu. Et bien-aimé, quand je dis à faire la joie de Dieu, ce n'est pas venir donner à Dieu. Pour aller soulever une maison pour venir donner à Dieu. Et puis Dieu va être content. Non. Mais c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Ça va. La sainte doctrine. Ça va. La parole de Dieu. Il faut appliquer ça à ta vie. Il faut appliquer ça à ton être. Il faut que cette parole-là fasse un avec toi. Il faut que cette parole-là puisse porter un corps. Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus était un avec le Père. Il faut que toi aussi, là, cette parole-là, tu fasses un avec la parole. Mais ne sois pas un fils ou encore une fille insensée quand le péché arrive. La chair est faible. Qui est la chair est faible? La chair est faible. La chair est faible et puis elle tombe d'impudicité. La chair est faible et puis elle tombe d'impudicité. C'est quelle chair qui est faible? La chair n'est pas faible ici. Toi-même, tu as cherché le péché. Oui? Parce qu'une personne
qui voit le péché, qui tombe dans le péché, qui dit non, la chair est ferme. C'est que la chair est ferme. Joseph lui-même, dans maison, dans chambre avec une femme, il est dedans. La femme a attrapé comme ça. Il n'a pas dit chair est ferme. On n'a pas fait. Mais Joseph lui-même, quand il a vu le péché qu'elle a, Dieu lui a dit non. Seigneur, la chair est ferme. Il y a pas trois jours de chien. Il y a un feu, toi, esprit. Sirène, Jézabel, sors d'elle. Oh Dieu, tu ne couches pas à moi. Mais Joseph, il a montré que. Il n'y a pas d'onction dedans. Il n'y a pas fait des dix, non. C'est quand Dieu le jeûne. Je maîtrise, C'est-à-dire, ça, il connaît ça. Il sait que quand ça va venir comme ça, il y a amorti ça comme ça. Puis... Gloire à Jésus. Mais Joseph lui-même, quand il a vu venir, il a laissé son manteau et puis il a fait un temps, chaf. Il a fui parce qu'il sait que ça là, ça ne fait pas la joie d'un père. Parce qu'il sait que le péché ne fait pas la joie d'un père. Mais le péché fait le chagrin de Dieu. Oui, allons-y si tu veux une écriture. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 24. Verset 24. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ont crucifié la chair avec ses passions. Donc, ont crucifié la chair avec ses passions. Et ses désirs. Voilà. On a crucifié la chair avec ses désirs. Donc, quand tu es devant le péché là. Chère, elle a crucifié. Mais est-ce que tu fais la joie de Dieu? Est-ce que tu fais la joie de Dieu? Est-ce que quand Dieu te regarde, il peut compter sur toi? Est-ce que tu fais la joie de Dieu? Parce que, bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu fais la joie de Dieu, oh, c'est tellement merveilleux, c'est tellement fabuleux. Quand Dieu te voit, il peut compter sur toi. Il peut dire, mon fils là, même s'ils sont joués, petit, deux poteaux, quatre poteaux au quartier, mais nous les hommes, c'est ça où. Avant, on a joué au football. Même s'ils sont en train de jouer quatre poteaux, que ça t'attire au quartier. Tu n'es pas un fils insensé, mais tu es un fils sage qui fait la joie. Non, ça ne veut pas t'attirer. Donc, toi aussi, la femme, même si dehors là-bas, dans le monde, tu faisais des choses que. Ça revient encore devant toi là. Dieu veut compter sur toi pour ne pas que tu cèdes. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine, tu es un fils sage, tu es une fille sage qui fait la joie de Dieu. Alors Dieu veut que ce soir là, tu fasses sa joie. Quand il te regarde. Parce que bien aimé, quand tu te sanctifies, tu attires les regards de Dieu. On a l'habitude souvent de dire, quand on met carreau de sucre. Comme un carreau de sucre par là, qui va appeler fourmi de venir? Qui va appeler fourmi de venir? Est-ce que c'est toi qui vas l'appeler? Mais qu'est-ce que c'est quoi qui a attiré la fourmi de venir le carreau de sucre? C'est le sucre qui l'a attiré, non? Hein? Parce que la fourmi aime ça, tout ce qui est sucré. C'est comme ça avec Jésus. Quand tu te sanctifies, quand il marche dans sa parole, alors, le parfum ne prend l'odeur. C'est pas pour aller mettre parfum, pour dire, il y a senti bon Dieu avec des visites. Il met parfum ici, il met parfum en bas de mes pieds, il met parfum dans mes aisselles. Dieu va venir visiter. C'est pas ça, hein. Mais c'est quand tu demeures dans la parole de Dieu, c'est quand tu marches dans la sainte doctrine, tu te sanctifies, que tu attires le regard de Dieu sur ta vie. Alors ce soir, Dieu veut nous exhorter encore à plus nous sanctifier. À plus demeurer dans la parole de Dieu. À plus marcher dans la sainte doctrine. C'est en cela qu'on va faire la joie de notre Père. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un veut faire la joie du Père? Amen. Est-ce que quelqu'un veut être un fils ou encore une fille sage? Amen. Gloire à Jésus. Amen.
Alléluia. Père, tiens-toi debout et tu vas acclamer puissamment le Seigneur Jésus pour ta vie. Alléluia. Reste là, je vais vous relire l'écriture. Jean 13, 17. Et puis après, ça va prier. Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses. Alors Jésus va nous dire si nous savons ces choses. Si vous savez ces choses. Si vous savez ces choses. Vous êtes heureux. Toi, enfant. Toi, vieillard. Vous êtes heureux. Toi, jeune homme. Toi, jeune fille. Heureuse. Il dit tu es heureux si tu sais ces choses. Pourvu que vous les pratiquez. Alors il dit pourvu que toi, tu mets ces choses en pratique. Bien aimé, l'Écriture nous dit. Ne soyons pas, ne nous bornons pas à écouter la parole. Mais l'essentiel, c'est de les mettre en pratique. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, avant d'entrer dans la prière, tu vas prendre une position de l'humilité. Mais tu vas prier et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, il y a des moments tu as été un fils insensé, tu as été une fille insensée et tu as fait le chagrin de Dieu. Tu t'es détourné de sa parole. Il est arrivé un moment où tu es tombé dans le péché. Il est arrivé un moment où tu es tombé dans le péché et tu as fait le chagrin de Dieu. Mais tu vas élever la voix et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire à Dieu de t'accorder sa miséricorde. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Mais le prix, demande pardon à Dieu, dis à Dieu de te pardonner. Parce qu'il est arrivé des moments où tu as été un fils insensé. Tu as été une fille insensée qui a fait le chagrin de Dieu. Tu as attristé Dieu par ton péché. Tu as attristé Dieu par ta manière de vivre. Tu as attristé Dieu par ta manière de parler. Tu as attristé Dieu par ta manière de marcher. Et tu as fait le chagrin de Dieu. Mais demande pardon à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de t'accorder sa grâce. Dis à Dieu de venir te pardonner. Et Dieu de venir encore te laver de par son sang. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Demande au Seigneur de te laver par son sang. Demande au Saint-Esprit de te laver par son sang. Demande au Seigneur de te purifier par son sang. Demande au Seigneur de te sanctifier par son sang. Parce que certainement tu as mal agi
Alors réclame le sang de Jésus. Amen. Tu vas te tenir toujours dans cette même disposition. Tu vas attendre le Seigneur Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que sa grâce soit sur ta vie. Amen. Nous sommes sans savoir que nous tirons allègrement à la fin de notre union. Tu vas préparer ton action de grâce. Tu vas préparer ton offrande. Tu vas préparer ce que tu es venu déposer dans la maison de Dieu afin d'accomplir les Écritures. Alléluia, donc sur la conduite du groupe musical, tu pries sur ton offrande, tu pries sur ton action de grâce, et tu viens semer dans la maison de Dieu. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit a couru des affaires. Donc nous voulons préciser sur ce moment-là. On ne croit que dans la maison de Dieu, il y a des affaires. Parce que si nous ne précisons pas ça, beaucoup désireront sur les moyens. Donc nous répétons encore ces choses. Soyez en joie avec ceux qui sont en joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oh, de prime abord. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous venons pleurer. Et quand nous pleurons, nous apportons notre soutien. Quand tu vois quelqu'un, ton frère, en train de pleurer, cela t'oblige à venir le consoler. Parce que ton frère est devenu orphelin, donc tu vas lui donner quelques sommes d'argent pour le soutenir au moins. C'est ce que le Saint-Esprit a appelé, qu'il a oublié de savoir, parce que c'est la doctrine. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons obligatoirement venir avec quelque chose pour soutenir son frère qui est orphelin. Amen. Donc sous la conduite des chants, du groupe musical, tu vas te tenir debout. Si tu as déjà fini de prier sur ton offrande, ton action de grâce, et tu viens, tu te déposes dans la maison de Dieu. Apportez à l'Éternel vos dîmes et vos offrandes à Jésus. Apportez à l'Éternel vos dîmes et vos offrandes à Jésus. N'est-ce pas à lui qu'on passe l'or et l'argent? N'est-ce pas à lui qu'on passe l'or et l'argent? Apportez.
merci de recevoir l'adorateur Daniel fait la prière des offrandes. Amen. Amen. J'ai prié. Seigneur, éternel Dieu tout-puissant, je te prie de bénir les mains de ceux qui ont donné et de aussi bénir les mains de ceux qui n'ont pas tout donné. Père, je prie que par l'offrande, Seigneur, montre-moi que tes enfants envoient, Seigneur. Que tu menaces, Seigneur, la main de l'ennemi dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Père, l'huile et la farine ne manquent point dans leur maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie que leurs attributs prospèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, je prie nous disant Amen. 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 Bien aimé que le Seigneur nous fortifie. Nous rappelons ces choses parce que l'Église a besoin d'être fortifiée. Amen. Amen. Nous passons à la phase informatique et nous voulons rappeler beaucoup de choses. Premièrement, ce qui concerne 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 à 18. Parce que lorsque nous lisons cette portion de l'Écriture, nous voyons là-bas que c'est une obligation de propager la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer faute de respect de cette Écriture. Alléluia. Pourquoi ils te sont concernés? Parce que si on disait les mardis et les jeudis, on partageait 1 million à chacun, je t'assure, certains laisseront tout ce qu'ils ont à faire pour venir prendre les 1 million. Si on disait les mardis et les jeudis à 18h, mais à 19h, il y a examen, ils devaient passer un concours. Alors, ceux qui mettent dans la paresse là, je suis sûr qu'ils seront compte. Et viendront à l'heure, ne manqueront même pas le jour de l'examen. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça la vie de l'Église. Parce que quand nous voyons dans les Écritures, nous voyons trois portions de choses. Il y a les appelés, il y a les élus, et il y a les rachetés. Beaucoup d'appelés iront en enfer faute d'écriture. Donc, toi, c'est ta première fois d'être ici. Il faut nous supporter. Parce que quand nous nous arrêtons devant le peuple de Dieu pour parler, tel que le bien-aimé, notre cultivateur vient de le faire, nous parlons selon 4 langages. Nous ne parlons pas dans un langage physique. Nous ne parlons pas dans un langage mondain. Mais, nous considérons ce que le bien-aimé le frère Paul, dans Galates chapitre 5, verset 1er, a dit. Nous imitons le frère Paul, parce que ce que Paul a fait, c'est un exemple pour nous. Voilà pourquoi quand nous lisons 1 Corinthiens, il dit ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple. Donc, nous, notre exemple par excellence, c'est le bien-aimé, le frère Jésus, ou le prophète Jésus, dans l'apôtre Paul. Alléluia. Donc, le mardi et le jeudi, sûrement qu'il y aura beaucoup de réformes. Il y aura beaucoup de changements. Par la grâce de Dieu, vous allez être au porte-à-faux de ces choses. Mais pour l'heure, le mardi et le jeudi, il y a notre temps d'évangélisation. Je crois que c'est au Carrefour Oasis. C'est bien ça? C'est où? On va changer. D'accord. Donc, il faut t'abonner. Il faut beaucoup participer parce que nous voyons que beaucoup de bien-aimés sont en ligne. Mais quand nous passons les informations, personne ne veut réagir, personne ne veut répondre. Et après, au dernier moment, ça appelle. C'est où? Alors que si nous avons dit au départ qu'une réaction. Tu reçois un dépôt de 50 000 sur ton compte Wevo Orange Money. Je suis sûr qu'on aura beaucoup de réactions dans le groupe.
je dis ces choses parce que beaucoup sont dans la négligence. Et si nous ne recadrons pas ces choses, ça va créer un désordre au niveau de Yopougon. Parce que nous sommes convaincus par l'Esprit de Dieu que beaucoup ont oublié même l'ouverture de l'église de Yopougon à cause de la paresse. Amen. Et le samedi ou les samedis, nous avons notre temps de baptême, l'enseignement sur le baptême, suivi du baptême. Toi qui n'avais pas encore pris ton baptême, ou toi qui n'as pas la notion sur les différents types de baptême, tu peux nous rejoindre à Bassabo. Toi qui veux passer par la délivrance, bien évidemment les mercredis, tu peux aussi nous rejoindre à Bassam et le dimanche pour le culte de 9h à 14h. Ceux qui sont dans notre communauté, on peut accepter à Bobo, Angré, Benjerville, Diapo, mais priez aussi pour vous pardonner. C'est très important. Même si beaucoup sont paresseux, mais priez aussi pour Yopougon. Et nous voulons rappeler aux habitants de Yopougon de beaucoup lire les Écritures, pour ne pas que lorsque le bien-aimé Josué, l'évangéliste, Marc, l'apôtre Jean, le bien-aimé Ézéchiel se permettront de parler, beaucoup ne soient pas étrangers à ce qu'ils diront. Parce que après, je rappelle, hein, nous parlons selon quatre langages. Il ne faut pas que l'un d'entre eux se permettra de parler dans la prophétie, dans la révélation. Mais comme le peuple de Dieu ne lit pas régulièrement les Écritures, beaucoup se permettront de dire « je ne comprends pas ». Alors que tu n'es plus un bébé spirituel, tu passes à une autre étape. Alléluia. Amen. Donc, nous poursuivons toujours notre temps d'enseignement, d'exhortation, de prière, l'édification et le perfectionnement du corps de Christ. Donc, si tu as aussi des questions, tu peux les préparer en amont. Comme ça, le jour où il y a tant d'enseignements à l'église ou à la cellule, on fera l'effort de le traiter dans l'enseignement. Ou si tu as des thèmes que tu ne comprends pas selon les Écritures, tu peux aussi les partager en amont. On prendra le soin de les traiter et venir partager le pain comme d'habitude. Amen. Amen. Si tu es d'accord, tu vas acclamer le Seigneur, tu te tiens d'accord. Tu vas mettre le même signe de recevoir l'apôtre Jean, va compter la prière de l'enfant. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire ces paroles. Parce que Jésus a dit que ma nourriture est faite, ta volonté et ton livre. Amen. Amen. Tu vas prendre ce cantique en fond sonore. Voici ma vie pour faire ta volonté, Jésus, voici ma vie, pour faire ta volonté. Chante. Jésus, pour faire ta volonté. Ta volonté, ta volonté.
parole nous dit encore que pour faire ta volonté. Un fils sage fait la joie de son père. Volonté, un fils insensé le chagrin de sa mère. Seigneur, tu nous as appris que Adam a fait le chagrin de sa mère. Jésus-Christ, Seigneur, parce que quand Adam va te former, il va te tirer de la terre. Parce que la terre, c'est ça la mère d'Adam. Raison pour laquelle, lorsque Adam va pécher, Seigneur Jésus-Christ, tu vas frapper la terre de malédiction. Mais Seigneur, nous nous rappelons que toi, la véritable terre, tu es venu porter cette couronne de vie, Père de puissant. Seigneur, je prie. Volonté, que tous nos péchés, Père de puissant, nous l'avons dit, insensé, Père éternel, Dieu de gloire. Éternel, que tu enlèves ce sujet de dessus, nous, Père de puissant. Je prie maintenant, Seigneur Jésus, que tu mettes en lui ton premier amour, afin que nous puissions faire ta volonté. Parce que lorsque tu nous montres comment nous devons prier, que nous voulons ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie que, par ces exhortations, nous avons confiance en Jésus, ce soir. Seigneur, je prie que nous serons ta parole dans ton cœur, dans ton cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, voici, nous allons nous séparer de toi. Je prie que tu marques chacun de nous de ton sceau, Père. Je prie que tu nous couvres dans ton sang et que nous devons voir. Que toute âme forgée contre nous soit sans effet. Que toute l'âme, Père éternel, qui va s'élever en justice pour nous condamner, Père Tout-Puissant, soit anéanti par ton sang au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la vie de ton sang. Dévance lorsque tu allais aller à la maison pour nous garder de tout danger. Merci Seigneur de nous bénir en ce soir. Merci de nous accorder ta grâce. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je suis un peu.